Gorée, 1200 habitants, dont la mère de Léa Seydoux. Valérie Schlumberger est tombée amoureuse de cet endroit en 1969. Bonjour. Ça va? Ouais, bien. Ça va bien? Depuis, elle vit ici 6 mois par an. Le petit, avec son téléphone portable là-bas. Regarde le tout petit, 2 ans. Regarde-le. Léa a donc passé ici une partie de son enfance et revient régulièrement pour voir sa mère et se ressourcer. Pour la première fois, elle a laissé une caméra l'accompagner. Ici, certaines personnes la connaissent depuis qu'elle est bébé, comme son ancienne nourrice. Soso ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Tu t'es séché partout. C'est vrai ? Oui ! Bah, tu m'as trouvé ? C'est passé à la maison 20 fois. Joséphine, c'est elle qui m'a porté dans le dos. Voilà. Ouais ? Oui. C'est ma fille. Ma fille chérie. Ces dernières années, Joséphine suit sa carrière à distance, depuis le Sénégal. Très belle chose, ma dans les journaux, ouais. Oui. T'es content, c'est dit à ta maman. Voilà ma fille. Allez, salut. Petite fille, Léa a passé ici presque toutes ses vacances scolaires avec sa mère et ses frères et sœurs. Environ 3 mois par an, jusqu'à son adolescence. C'est donc une enfant du pays qui parle même quelques mots de Wolof, la langue locale. Ça va? Ça va? La culture sénégalaise, c'est quelque chose qui me nourrit énormément, qui m'inspire et qui a défini aussi qui j'étais. Et je pense que je suis qui je suis aussi parce que j'ai passé du temps ici. Le fait d'être comme ça, plongé dans une culture qui n'est pas la sienne, de s'adapter, c'est quelque chose aussi qui m'a construite. Pendant ses séjours à Gorée, la petite Léa a même fréquenté la seule école de Lille, dans la classe de cet instituteur, Monsieur Faye. Elle faisait le CM2. Voilà, elle est venue en vacances, vous me l'avez confiée. Assise derrière ses pupitres, des souvenirs pour toute une vie. Ici, quand on pose une question, quand le maître ou la maîtresse pose une question, les enfants, donc en France, on lève le doigt, et ici, on fait comme ça. Voilà. Vous faites toujours ça ? Il faut claquer. Comme ça. Monsieur, monsieur, monsieur. Voilà. Hein ? À Gorée, Léa ne s'étale pas sur son succès, en quête de rapports sincères avec les habitants. Oui, parce que c'est une star, Léa. Ah bon ? En France, tu joues dans les films français. Et américain. Ah, OK. Les États-Unis aussi, c'est une star. Ah, on aura l'occasion de voir ces films ? Ben, peut-être. Ouais. Ce sera vraiment un honneur pour nous. Qui veut bien m'accueillir ? Là ? Tu veux faire quoi ? Oui, footballeur. Ah, et toi, tu veux faire quoi ? Plus tard, comme métier ? Actrice. Actrice ? C'est vrai ? Oui. Ah oui ? Oui. Ah, c'est bien. Moi, je voulais être boulangère. C'est vrai ? Pour manger des bonbons. Depuis toujours, Valérie, la mère de Léa Seydoux, est une originale, en décalage avec le reste de la riche famille Schlumberger. Elle trace sa route sans se soucier des conventions. Bon, ce sera plus joli, hein, quand j'aurai une semaine de plus pour finir. Désargentée, elle gagne sa vie au Sénégal grâce à ses chambres d'hôtes, qu'elle loue aux touristes. Donc ça, c'est mon bureau, avec ma petite choupinette qui est là aussi. Un petit Paris Match et un petit là. Alors, comment vous suivez toute l'actualité de Léa, ici ? Je reviens très souvent à Paris, moi. Je suis quand même à Paris pour l'instant. Je vais beaucoup plus vivre ici, mais je suis quand même... Tu trouves pas beaucoup ? Ces derniers temps, pas beaucoup, quand même. Bah oui, parce qu'avec un projet pareil, effectivement... Valérie Schlumberger a toujours été insaisissable pour ses enfants et pour Léa. Au Sénégal, elle a surtout décidé de se consacrer
aux plus démunis.